Canva révolutionne les images, les photos avec son nouvel éditeur magique et son intelligence artificielle. Si tu es fan de tout ça en ce moment, regarde bien cette vidéo, elle va te plaire. C'est dingue, c'est une toute nouveauté Canva. Allez, pour cette vidéo, on va faire très très vite. On va aller ici dans les photos, OK Donc si tu l'as pas encore utilisé, allez, moi je vais prendre cette photo, on va glisser une photo ici, d'accord si tu ne l'as pas encore utilisé, je vais te montrer du coup comment ça marche. On clique sur la photo ici, on va cliquer sur modifier l'image et puis on va découvrir le nouvel outil magique de Canva, c'est une folie. Clique ici découvrir et tu as des nouveaux effets comme ici la gomme magique par exemple. On va cliquer ici, je vais te montrer plein de trucs très bien jusqu'à la fin. La gomme magique, on va cliquer ici et puis euh, on va choisir la taille du pinceau. Tu vois là, j'ai un cercle ici, ça correspond à la taille du pinceau. Je vais l'augmenter un tout petit peu pour aller assez vite et je vais faire disparaître. Regarde, on va supprimer un truc sur une photo, ok? Mais on va aller encore un peu plus loin après et c'est là que l'intelligence artificielle va rentrer. Donc là, tu maintiens ta souris enfoncée, d'accord, pour enlever le bonhomme, ok? Le bonhomme va disparaître et là, c'est de la pure folie, ok? Là, il a disparu. Je clique ici. Et puis Canva va travailler et va me supprimer ce bonhomme. Vous allez voir, c'est assez magique. Mais après, on va rajouter d'autres trucs grâce à l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il faut que tu restes là jusqu'au bout. C'est un truc de dingue. Regarde le résultat. Voilà, il est apparu sous tes yeux. Le petit bonhomme, il a été... Euh, bah, elle a été enlevée tout simplement. C'est juste un truc de dingue. On peut enlever des éléments sur un dessin. Mais on va aller même encore un peu plus loin maintenant. Okay on clique sur notre photo, on clique sur modifier une photo. Et puis là, on va utiliser l'édition magique. Okay on va cliquer ici. Alors, ça va réinitialiser ce que je viens de faire. Okay Mais je le fais devant vous exprès. On va utiliser l'édition magique. Je clique dessus. Le petit bonhomme va revenir, d'accord Donc on va recommencer notre opération, ok On va faire exactement la même chose que tout à l'heure et il va disparaître. Et puis après, là, on va avoir une option supplémentaire. Donc là, ce que je t'ai montré au début, c'était pour supprimer le bonhomme. Mais là, à la place du bonhomme, on va le supprimer. On va ajouter ce qu'on veut, ce qui nous passe par la tête. C'est un truc de fou. Voilà, je vais mettre ici, voilà, je défais mon petit bonhomme. Je clique sur Continuer ici, un petit clic gauche ici. Et puis, à la place du bonhomme, qu'est-ce que je veux mettre à la place du bonhomme Alors, je ne sais pas, là, c'est bientôt Pâques, OK Donc, je vais mettre chocolat. Tu le sais, j'aime bien manger, hein Chocolat de Pâques. Enfin, je crois, hein OK On va mettre chocolat de Pâques. On va laisser ça comme ça. J'espère que, voilà, on va, on va voir ce qu'il va prendre en compte. Et c'est le... Tu vois, tu as des suggestions ici. Moi, j'ai mis chocolat de Pâques, mais on n'aurait plus neige, ballon de baudruche, souci, bref. L'intelligence artificielle va aller me chercher des... Chocolat de Pâques. Je clique sur générer et puis je patiente le temps que l'outil va me chercher des chocolats de Pâques. Pardon, il va me remplacer le bonhomme par des chocolats de Pâques. J'aurais pu mettre n'importe quoi. Il va aller me chercher quelque chose pour me mettre à la place du bonhomme. Et tu vas voir que c'est assez ouf le résultat. On patiente et voilà et ça y est. Alors évidemment, c'est l'intelligence artificielle. Donc là, tu vois, il y a un bonhomme avec des chocolats. Bon, voilà, tu as plusieurs euh, idées, on va cliquer ici. Là, ce sont des chocolats. OK. Là encore, tu as autre chose ici. Ah bah ben ça ça peut être rigolo pourquoi pas, c'est des chocolats de Pâques. Ou alors tu as encore cette option et puis on pourrait générer de nouveaux résultats. Moi, je vais partir du principe que regarde, à la place du bonhomme, on a quand même mis des chocolats de Pâques. Là, c'est plutôt sympa, les couleurs elles vont plutôt voilà, magnifiquement bien. Je vais cliquer sur terminer. Mon enregistrement est mis en pause. Je vais attendre qu'il s'enregistre se, comme d'habitude pour que mon image soit nickel. Ça y est, regarde, c'est nickel. Je ne sais pas ce que tu en penses. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu veux voir d'autres vidéos. Et là, en ce moment, il y a plein, plein de choses. Comme cette petite étoile, dont je te parlerai un peu plus tard dans une autre vidéo. Donc n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et puis surtout de partager ce contenu, d'en parler autour de toi et de commenter. Ça m'aide beaucoup à euh, booster cette chaîne. T'as vu en ce moment, elle bouge pas mal la chaîne et ça fait super plaisir. Donc voilà, euh, on est bien là, non À plus dans le bus